Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chers amis de la nature. Aujourd'hui, ail des ours, plant médicinale et à la fois comestible. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'ail des ours. Donc, pour tous les plants comestibles ou médicinales, il est toujours très important de faire très, très attention. Il y a le jumeau, on va appeler ça les jumeaux. Une qui est petite et l'autre qui ne met pas, au contraire. Sauf que c'est quelque chose d'assez difficile à faire quand même. Donc l'idée, c'est quand vous avez des doutes, et c'est comme pour les champignons, et ben on n'y touche pas. Quand on a un doute, on n'y touche pas, on reste en mode faire attention. Et bon, avec les ours, première, mais c'est pas grave. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler de l'ail des ours et ses vertus. Au sommaire, la cueillette, reconnaître l'ail des ours. Et puis, vers la fin de la vidéo, nous allons voir deux recettes, l'ail des ours et le point sur les vertus médicinales. Et voilà, avec les ours ici, et il y en a énormément, énormément partout. Là où c'est du vert, c'est que de l'ail des ours. C'est incroyable. De tous les côtés. Ici. Voilà. Extrêmement couvert. Il y a des endroits où il n'y a que ça. Comme là. De l'ail et des ours, après la cueillette, c'est toujours bien quand on a des couettes. L'ail et des ours. Comment on dit en alsacien? Futterschmidt. De l'ail, du beurre à veille. C'est ça? Tu vois, c'est pas mal ça.
en conso les oreilles. Sel, poivre. Thank you.